C'est ça, les gars, les supporters de Paris. Vous êtes chaud, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Quand on vous dit d'aller au camp des loges, vous vous chiez dessus. Comme Pocket, vous vous chiez dessus. Comme Icardi. Comme Messi. Comme Neymar, vous êtes toujours blessé. Quand vous dites venir au parc, vous êtes blessé. Quand vous dites venir au camp des loges, vous êtes blessé. Mais derrière vos écrans internet, que ça blablate. Allez, marchez PSG. Non, tu sais quoi, on va y aller et faut qu'on essaye d'y aller à plusieurs, tu vois, voir s'il y a des collègues ou soit tu connais des gens ou des potos, mais sans violence, hein. Moi je vais pas là-bas, tu vois ce que je veux dire, d'ailleurs c'est pas dans notre nature, mais moi c'est sans violence, hein. Après si les keufs ils viennent parce qu'on manifeste un peu trop, je m'en bats les couilles, on restera pacifique, mais là ça peut plus durer, là les Qataris nous prennent pour des bouffons, nous on n'est pas des bouffons, hein. Ah il l'a dit au pays parisien, c'est vrai, hein, c'est pas un gourou, mais... Faut même Ayoub il l'a dit, hein, faut faire quelque chose, faut descendre. Parce que là, si on fait rien, moi j'ai l'impression qu'au PSG, ils croient on est des bouffons, tu vois. Ils croient on est des bouffons. Ils vont voir, cousin, si vous continuez à niquer notre club comme ça. Ils vont voir si les joueurs, si notre club, quand tu signes au PSG, si c'est le club, ils vont voir. Vas-y, viens, on organise ça, tu me dis le jour où tu veux et c'est bon, on y va. Voilà pourquoi je regarde plus les matchs. Waouh. Et il est remonté, le gars. J'ai regardé une minute, cousin, et il m'a stressé carrément. Je vais essayer de regarder la suite, mais ah ouais, non, mais ça doit être une catastrophe, les matchs. Moi, je vous assure, je regarde plus. Hein. Je regarde que les buts, et encore. Je regarde la moitié. J'ai plus regardé la CAN que le PSG. Ah ouais, je crois qu'il faut que les Boulogne Boys, les Ultras, tout le monde soit solidaire et que ça fasse une descente là-bas. Hein. Quitte à ce qu'il y ait quelques GAV et des interdits de stade, mais faut sauver le club. Ou alors virer les Qataris, on s'en fout. On joue avec les petits du club, les titis du PSG. On finit 7e, 8e. Et au moins, voilà, tu vois. Au moins on pourra supporter des gens qui mouillent le maillot parce que là, c'est une catastrophe. Même. Mais ouais, Fred, c'est ça, en fait, c'est. Le fait qu'on nous prenne pour des bouffons, parce qu'on a des yeux. On voit, frère, même si je suis myope, je vois que c'est de la merde PSG en ce moment, qu'il n'y a rien qui va, la direction, ça part en couille, jusqu'aux joueurs, jusque dans les tréfonds, les bas-fonds du club, il n'y a rien qui va. Non, mais c'est vrai, ça, c'est comme disait OP, c'est bon, voilà, c'est un gars qui dit les choses, tout ça, mais par rapport à Ayoub, bon, Ayoub, au début, il disait, oui, laissez la chance à Pochettino, nanani, nanana. Bon, il s'est réveillé, voilà. T'as toujours les mêmes qui sont dans leur lignée, là, comme les Sacha Benita. Bon, lui, il n'est jamais content. Bon, je sais qu'il est d'accord avec ça, mais voilà, les Sabri, tout ça, ça ne va plus. Plus personne n'acquiesce, n'adhère aussi au discours de la direction. Non, mais c'est un truc à faire, il faut voir ça. Comme tu dis, pacifiquement, moi, c'est ce que je me disais, pacifiquement, c'est ce qu'il faut faire. Et franchement, voilà, quoi. Et il faut qu'ils voient quand même que les gars soient intéressés par leur club. Parce que là, le problème, c'est qu'ils nous prennent pour des bouffons. Pourquoi ils nous prennent pour des bouffons? Parce qu'on ne parle plus. Parce qu'il y a les ultras. C'était eux le garde-fou. C'était eux un peu qui faisaient ton pont quand il fallait autant gueuler et autant calmer. Et les ultras, c'était ça. Là, il y a le cup aussi. Ils ont parlé, ils ont dit que ça allait pas. On va voir, hein. On va voir. Mais ça va tomber sur leur gueule. Là, c'est bon, là. C'est, ils nous prennent pour des cons, là. Regarde mes skins, Sabri Parisien en rien, regardez l'état dans lequel il est, cousin. Il devient fou, il perd la tête, cousin. Il se met des baffes, il crache sur son téléphone, il est en train de perdre la tête. T'as pas vu la gestuelle et tout de la vidéo? Mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Mais il avait un peu les larmes aux yeux, ça se voyait. Lui, il kiffe le PSG de ouf, tu vois, nous aussi, hein. Mais là, franchement, quand tu vois un gars comme Sabri qui est atteint comme ça, c'est que t'as vu le mal qu'ils nous font. Mais vous allez me dire, oui, mais il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est que du foot. Nia, 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 pourquoi se prendre la tête pour un club? C'est que du foot, ils gagnent des millions, ils en ont rien à foutre de nous. Ok, je suis d'accord avec ça. Mais le truc, c'est que nous, on paye des abonnements, des places au parc.
Hein, on est là derrière notre télé, on prend le temps de regarder les matchs, machin et tout. Ok, on supporte. Mais c'est notre droit d'avoir un club qui marche à l'endroit. C'est notre droit, c'est notre demande. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas laisser... C'est pas la fête. Qu'est-ce qu'ils font là dans leur bureau là? Qu'est-ce qu'ils font l'autre à Doha là? Qu'est-ce qu'il fait Leonardo? Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre à la factory? Wesh! C'est un truc de ouf! Ils ont dit quoi apparemment la direction? Ils ont essayé de virer Pochettino cet hiver et de faire venir Zidane. Zidane, oh lui la fiotte. Non, j'ai pas envie de venir. Ce qu'il y a autour du club, la gestion du club, c'est un peu douteuse. J'ai pas envie de venir cet hiver à 15 jours du Real Madrid. Bon, lui aussi, qu'il aille se faire foutre s'il n'est pas content. Franchement, tu sais quoi, tu mets Zoom Zoom pendant 6 mois sur le banc. Avec le U19, il fait du bon taf, Camara. Adjoint Thiago Motta. Il y a un gars sur Canal Supporter, il a proposé ça. Tu mets Camara, Thiago Motta, pendant les 4 mois qui restent de championnat et c'est bon. Mais virez-moi cette fiotte, virez-moi cette fiotte. Virez-moi cette fiotte. Franchement, tu sais quoi, le Cheikh Al Thani, on lui doit tout. Respect de ouf. Mais tu sais quoi, il prend des mauvaises décisions lui aussi. Putain, ça peut pas durer, ça peut pas durer. Il faut qu'on aille au camp des loges et qu'on leur crie dessus. Tu vois, on leur fasse comprendre que ça va partir en couille si vous faites rien. Bougez-vous. C'est plus possible de faire des matchs de Ligue 1, vous êtes là, vous marchez. C'est un truc de fou, passe en arrière et tout, c'est pas possible. Non, non, faut arrêter tout ça. Faut arrêter. Là, c'est fini ça. Allez, marcher, PSG, PD, 8e de finale, Milan, Guetaou, PD, PSG, Guetali, ou les un gay PSG. Paroxysme, hein, Comic Soon 2022. On est là, Miso Zera, Nino Brown, hein, JLBR, tout ça, on est là, cousin. Si, vous connaissez. Les Crips. C'est ça.